ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs met un point d'honneur sur la construction des infrastructures sportives. Cette volonté affichée de doter la Côte d'Ivoire d'enceintes de jeux a rencontré l'assentiment d'Afrique Investment Corporation, les responsables de cette société spécialisée entre autres dans la construction et la maintenance d'édifices publics et privés, ont manifesté un intérêt certain pour la reconstruction du stade Félix Houphouët-Boigny. Ce stade, qui sera érigé sur une superficie de 7 hectares, comportera un centre commercial, des appartements, une piste d'athlétisme aux normes internationales, une salle omnisport, un joyau architectural de 35 000 places assises, pour lequel Afrique Investment Corporation s'engage à injecter 22,5 milliards de francs CFA. Un investissement que la société entend amortir au bout de 15 à 20 ans de gestion. De quoi réjouir le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Alain Le Bougnon, qui s'est félicité du nombre d'emplois qui sera créé par la reconstruction et la gestion de ce nouveau stade.